Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle Coach Amon Chik se refait ses seins. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. BBL, vous partez faire là. C'est quoi le but? Si c'est pas pour faire de la bordellerie, du djendouya au haut niveau, c'est quoi le but? Parce que ne venez pas me parler dédiqué. Non, je vais me sentir bien dans ma peau, hein. Des menteuses comme ça. C'est pas vous qui faisiez des vidéos aussi pour dire je m'assume tel que je suis nanani nanana. Aujourd'hui, vous voulez vous sentir bien dans votre peau? Depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, tes narines sont dilatées là, tu vois clair là. C'est maintenant que tu sais que tu te sens pas bien dans ta peau. C'est maintenant que tu te sentir bien dans ta peau. Donc, Dieu vous a donné un peu. Quand vous avez petit 5 millions, directement, vous partez faire BBL. Quand vous avez 3 millions, vous partez faire BBL. C'est vrai, c'est pas notre argent. Hein. Mais c'est la manière, vous faites ça, on dirait publicité là. C'est ça qui me dérange. Sinon, si vous avez gardé ça dans vos familles là-bas, ça va pas déranger quelqu'un. Vous comprenez, non? Quand tu parles, non, c'est mon corps, c'est, ouais, c'est ton corps, moi aussi, c'est ma bouche, voilà. Vous emmerdez les gens avec vos histoires de BBL. Vous avez fait Photoshop et application. Ça vous a pas suffi. Maintenant, c'est Photoshop et bistouri. Vous avez venu faire. Et puis, tu les vois, quand elles ont fini de faire ça, elles sont taillées, elles vont venir porter les chis sexy pour venir mettre, genre, ma nouvelle forme. Et puis, vous êtes contente. Ça ne t'appartient pas. Cette forme-là, tu l'as usurpée, usurpatrice, voleuse. C'est comme ça on dit chez nous ici. Tu as volé forme là. Et puis tu as venu te rendre fier dedans. Et puis, nouvelle génération, elles n'ont pas encore enfant. Hein. C'est elles qui sont fait BBL. Elles n'ont pas encore enfant. C'est là demain si tu as un enfant même. Et puis ça veut se, on veut t'opérer même césarienne là. Ça va se passer comment ça te dit rien. Quand tu t'es à l'hôpital, les médecins te proposent l'opération lorsqu'on ne peut plus rien faire pour toi. C'est ça qu'on te propose. Parce qu'on sait que c'est une intervention dangereuse. Des conséquences peuvent survenir, soit pendant l'opération ou même 10 ans après. Mais vous ne pensez pas à ça. Parce qu'on vous a mis dans la tête que c'est la norme. Donc vous allez venir encourager nos soeurs à la faire aussi. Avant, là, on disait c'est Miss Côte d'Ivoire qui fait juste quand les filles là sont complexées, elles veulent toutes devenir minces. Maintenant, là, on a fait Miss Apoutou, Miss Lolo. Maintenant, Miss Grosse Tête même, il y en a. Tout ça pour que vous sentiez belle où vous êtes. Mais non. Il faut que vous allez refaire vos cuits là. Tu vois les plus pompés dans le pays. Partout. Plus pimpés. Joyeux anniversaire dans le pays maintenant. Et puis elles se promènent. Elles n'ont même plus honte d'afficher ça. Tu n'as pas honte. Parce que cette forme-là, tu l'as volée. Tu n'es pas né avec. Tu es une voleuse de forme. Voilà, c'est que. T'as dit que c'est ton âme qui a payé. Oui, tu as payé, mais c'est pas pour toi. Et puis en parlant, laissez nos rêves nous sentir bien. Menteuse. Faut dire que tu veux augmenter le prix de ton tchandjouya. C'est pour ça que tu n'es pas dit faire ça là-bas. Vous êtes des tchandjou. Vous voulez aller augmenter votre prix de votre djandjouya? Ça coûte des garçons. Tu penses que parce que tu as fait BBL, on te regarde comment? Regardez. Les grands hommes, les grandes femmes là. C'est l'œuvre de leur esprit qui fait qu'on se souvient toujours. On se souvient pas de quelqu'un parce que non, cette personne est belle forme. Non. C'est l'œuvre de l'esprit qui reste. Quand vous allez à Dole pour aller visiter la maison de, il s'appelle comment même là, Luis Pasteur. Quand vous allez là-bas, on vous montre ce qu'il a fait. On vous montre pas son corps. On vous montre ce qu'il a fait. Et quand vous regardez ce qu'il a fait, comment il a inventé le vaccin, tout ça là, vous avez du respect pour ce monsieur là. Et vous dites, j'ai envie de voir la tombe de Luis Pasteur. C'est là qu'on va penser à la chair. Mais vous mettez des millions dans la chair, mais 0 francs dans l'esprit. Votre esprit est vide, pauvre. Ignorante. Même 2 livres à 5 euros, vous pouvez pas payer pour nourrir votre esprit, là. Mais vous pouvez mettre 5 millions dans la chair qui va se dégrader, qu'on va oublier, là. Vous pouvez mettre 5 millions dedans. Et puis, quand on va parler, vous voulez qu'on, vous respecte comment? Hein, regardez-moi des poupées gonflables comme ça. Et puis, vous allez venir rendre ça à la norme ici, hein, pour encourager nos soeurs à faire ça. Franchement, vous n'êtes même pas félicité. Vous êtes à blâmer. Et moi, je vous blâme. Voilà. Si on vous a dit que votre cul était petit, et puis à cause de ça, vous étiez complexé, je vais vous dire que ce que vous faites là, c'est mauvais. Vous allez être complexé encore, vous allez enlever n'importe quoi comme ça, des tchandjous comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.